Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire une petite carte. Alors j'avais dit que j'en ferais une carte de Noël rose. Donc j'avais acheté dernièrement des cartes chez Action, des cartes pastel. Elles sont irisées, elles sont jolies. Donc voilà, là j'ai mis un fond avec des écritures. Toujours avec ma vieille Versafine, donc elle marque à peine quoi. Voilà. On fait un petit fond avec des écritures. Je pense que je vais en remettre. Ah ouais, j'ai retrouvé tous mes tampons de Noël. En fin de compte, bah j'en ai pas mal. C'est une couronne Merry Christmas. Elle est très jolie cette couronne. Mais bon, je vais la mettre après. Je vais faire ça à l'intérieur en fin de compte. Et puis voilà, donc j'ai un peu pris des éléments roses, les dernières fleurs qu'il y a chez Action, là, qui sont rose gold, elles sont jolies. J'ai pris tout ce que j'avais, mes baies roses. Alors mes baies rouges, pour information, j'ai commandé ça, j'ai regardé le 23 octobre chez AliExpress. Et donc c'était des baies rouges, rouge foncé, toujours pas reçu. Hein. Voilà. Donc j'ai dit plusieurs fois que je voulais le remboursement. Voilà, il m'a dit non, c'est parti. Donc il veut apparemment, il n'a pas l'air de vouloir me rembourser, quoi. Mais je sais pas. Bref. Voilà, je sais pas que c'était cher, mais c'est le principe, quoi. C'était prévu le 2 décembre, ce qui était quand même du 23 octobre au 2 décembre, c'est déjà pas mal. Mais alors là. Voilà quoi. Je sais pas si on peut mettre. Je crois qu'on peut mettre des avis, tout ça. Mais c'est bizarre, mais je pense pas les recevoir. Parce que là, je trouve que ça fait trop longtemps. Moi qui m'étais dit, je vais faire ça à l'avance. Pour au moins avoir ça à Noël, quoi. Oh non, j'aurais pas à Noël. Alors que ça, j'avais comme. Ça, ces napperons-là, j'ai commandé chez Amazon. Vous voyez, ils sont quand même trop grands. Bon, vaut mieux trop grand que trop petit, à la limite. Hein. Voilà. Donc du petit napperon, parce que bah, ça va bien avec le rose. Je vais couper ce qui dépasse. Et puis voilà. Là, je vais vous laisser en musique. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve à nouveau. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du petit tamponnage. Et je n'en fais pas souvent. Ah, oh, c'est bien fait ça. Non, impeccable. Ah là, tu t'es pas raté. Là. Bon, vous voyez, ça, c'est des tampons. Parfois, ils sont un peu moyens, hein, les tampons Action. Il y en a qui marchent très bien. Puis il y en a d'autres. Comme le tampon de la petite machine à écrire que j'avais beaucoup aimé, bah là il faut pas appuyer comme un sourd, ça écrase le tampon, donc c'est pas le truc à faire. Faut appuyer, mais sans trop appuyer. Voilà, donc je vais le refaire au dos. Mais oui, la petite machine à écrire, le tamponnage il a jamais été terrible quoi, il y a un gros manque, il y a un gros blanc quoi, donc c'est dommage. Puis il y en a d'autres par contre qui fonctionnent très bien quoi. Ça, celui-là, ça ira à peu près. Donc c'est écrit Joyeux Noël, bonne année, voilà. Je le marronne tout autour. Excusez. Voilà.
un petit. J'ai mis des tout petits flocons de neige en nacre. C'était les petites perles Disney là. Et bah ça tombe bien. C'est un petit flocon. Je crois que j'en ai quasiment plus. J'ai ce qui me reste là, il doit m'en rester 5 quoi. Voilà, maintenant j'avais mis du double face sous mon petit rond là, puis c'était, ça tenait pas, je sais pas pourquoi, je crois que c'est le tampon ou le papier qui fait que ça tient pas. Donc j'ai mis un peu de colasse, un peu de colasse comme on aime, et puis je viens mettre, mais j'ai mis donc une petite fleur un peu rose gold, j'ai mis les petits pistils, mes petites boules rose givrée. Une toute petite carte postale. J'ai mis donc un petit napperon évidemment en dessous de l'image. Et puis voilà. J'ai un peu marronné, je pense, le tour de ma carte. Voilà. Avec l'encre EasyInk. Il faut pas trop la toucher hein, parce qu'à peine on touche, elle s'en va, il n'y a plus rien. Donc voilà. Un peu de vintage autour de la carte. Histoire de lui donner un petit peu plus de caractère. Voici. Qu'est-ce qu'elle va nous faire celle-là? Ah oui, un coup de tampon dans la carte. Franchement, j'ai vu mes tampons de Noël de l'année dernière. Ils sont super jolis, hein, j'ai pas trop regardé. Hein. Et là, c'est une couronne, mais elle est très bien faite. Elle est très jolie comme couronne. Bon, moi, j'aime bien les laisser sans les colorier. Parce que j'aime bien aussi les tamponnages pas coloriés. Voilà. Et je vais mettre ça à l'intérieur de la carte. On s'écrit en anglais, hein, Merry Christmas évidemment. Elle a des pommes de pin comme ça, elle est super jolie. Voilà, c'en est tout les amis pour ma petite carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!